Allez Valérie, comment il est? Ben, on fait un petit tour à la case. T'es bien, allons. Aujourd'hui, on va préparer une crème caramel, un dessert très simple, mais qui reste toujours très gourmand, avec notre café de la Réunion, le café Bourbon Pointu. Donc pour le caramel, je verse mon sucre blanc, très important. Pour le caramel, toujours du sucre blanc. Je mouille, mais très peu. Donc on va le débarrasser directement dans le moule, qui est préalablement posé dans un bain-marie. Là, c'est blond, donc là, on est bon, parce qu'en fait, même si je l'enlève du feu, la poêle, elle est très chaude, ça va continuer à brunir. Là, on est bon, ça va très vite, ça fige vite dans l'eau froide. Et là, je mets à infuser mon café directement dans le lait. Le but, c'est que voilà, là, quand je sens les parfums du café, c'est bon. Il faut toujours vérifier la cuisson au bout de 20 minutes. Si la crème elle est encore tremblotante au centre, c'est qu'elle est prête. C'est important de bien décoller les bords. Voilà. Et là, c'est l'instant de vérité. C'est ce que j'adore dans la crème caramel, c'est la surprise quand tu démoules. Ça fait effectivement cet effet miroir. Nartrouve.